Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instinct des Copeaux. Alors aujourd'hui j'ai quelque chose de très grave à vous annoncer, cette vidéo est sponsorisée. Mais vous en faites pas, c'est assez sympa ce que je vais vous montrer. Ah oui, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil dans la description de la vidéo, il y aura quelques surprises. J'ai été contacté par la société Rally qui est suisse et qui est spécialisée dans la fabrication de rabots. Les rabots que fabrique la société Rally sont très particuliers, ont un design vraiment propre à eux, et c'est ça que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Donc regardons ce qui se passe dans cette petite boîte. Alors, laissez-moi vous expliquer le truc. Un rabot, traditionnellement, ça ressemble à ceci. Vous avez une poignée ronde à l'avant et une autre poignée à l'arrière, et vous y allez comme ça. Vous avez un long fer qui est ici, qui dépasse à peine à ce niveau-là, et en fait, quand vous poussez le rabot dans ce sens-là, ça bouffe le bois en fait sur une fine épaisseur et ça crée un copeau. Ça réduit en fait un petit peu l'épaisseur du bois. Ça l'affine aussi à certains endroits et ça enlève les aspérités. Pour régler un rabot comme celui-ci, donc c'est un rabot traditionnel, hein, c'est assez délicat quand on ne connaît pas, parce que vous avez plein de possibilités de réglage qui sont pas forcément évidentes à comprendre. Vous pouvez avec une petite manette ici régler le fer pour qu'il soit dans un sens ou dans l'autre. Donc le but évidemment c'est de le régler de façon le plus parallèle possible au sabot, ce qui n'est pas forcément évident. Vous avez cette molette qui vous permet de régler la hauteur du fer. Vous avez plein de pièces à démonter, c'est pas forcément l'outil le plus pratique du monde. C'est très très dur à régler, de trouver un réglage qui va bien, surtout de rester parallèle en fait, de mettre la lame bien droite. Attention, la séquence qui va suivre est ce que l'on appelle un plan galère. Et c'est surtout qu'une lame comme ça, il faut l'entretenir, donc il faut démonter le rabot. Enlever cette pièce, contrefer, qu'il faut dévisser. Donc le contrefer qu'il faut dévisser, ça c'est le contrefer. Et là vous avez le fer avec la lame au bout qu'il faut affûter de temps en temps en fait pour que ça coupe bien. Une fois que vous l'avez affûté, après vous remettez votre contrefer. Attendez, si je le mets pas dans le bon sens, ça va pas le faire. On remet ça sur le rabot. Attendez, mais je suis con, je l'ai foutu à l'envers. Hein. Remettez ça là. Pour régler la hauteur de la lame de votre rabot. Le but c'est que ça dépasse à peine. Voilà. Alors le rabot que m'a envoyé Rally est un petit peu différent au niveau de la conception, c'est un truc vraiment à eux. Déjà vous voyez au niveau du design ça n'a pas grand chose à voir. Hein. Celui-ci est plus léger, les poignées sont relativement ergonomiques, on est pas mal. Et alors l'intérêt du truc c'est que là, vous avez un petit compartiment et ici vous avez les lames. Et en fait le principe de ces rabots c'est que au lieu d'avoir une grande lame comme celle-ci qu'il faut affûter de temps en temps, ce sont des lames type lame de rasoir qui se changent. Donc déjà ça vous évite ce travail d'affûtage qui est rébarbatif et que tout le monde ne sait pas forcément faire, souvent on doit la mener chez l'affûteur. De plus au niveau du réglage, alors c'est ici que ça se passe, hop là voilà, on enlève cette pièce. Au niveau de la lame, en fait, elle se retrouve pincée à cet endroit-là. Et là, vous contrôlez juste la hauteur. Il n'y a plus de problème de parallélisme ou d'aspect comme ça. Vous avez aussi la possibilité sur ce rabot, ce n'est pas le cas sur celui-là, de gérer ce que l'on appelle la lumière. Donc c'est en fait l'espace que vous avez entre la lame et le bord du rabot qui va vous permettre de laisser plus ou moins passer des copeaux. Plus le copeau est épais, donc plus vous creusez profondément avec la lame, plus la lumière doit être grande, évidemment, pour laisser passer le copeau. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. C'est fabriqué en Suisse. Qui les a inventés ? De la Suisse naturellement. Et a priori, ça a l'air pas mal du tout. Allons essayer ça. Pour tester le rabot, j'utilise un bloc de frêne. Je commence par quelques passes un petit peu grossières et j'affine petit à petit. Et en faisant des passes très légères, j'arrive à obtenir un beau brillant sur le bois. Alors, gadget ou pas? Honnêtement, j'en ai pas l'impression. C'est vrai que certains pourront lui reprocher ce côté un petit peu plastique, le faisant éventuellement passer pour un jouet, mais il n'en est rien. C'est un rabot de construction sérieuse, alors je ne sais pas quel est le nom du plastique en particulier qu'ils ont utilisé, mais ce n'est clairement pas du toc. Hein. Il est solide, il est extrêmement bien fini, il n'y a rien à dire hein, au niveau des ajustements, de l'assemblage. C'est honnêtement un très bel objet. Hein. Moi j'aime bien, alors c'est vrai que son look diffère énormément d'un rabot classique. Mais honnêtement, moi je n'y vois pas d'inconvénient, au contraire, moi j'aime bien quand c'est un petit peu différent. C'est un rabot que j'ai trouvé très polyvalent, on peut à la fois tirer un gros copeau épais pour vraiment dégrossir une pièce de bois, et à la fois faire de la finition avec un réglage un petit peu plus fin. Est-ce que je le conseillerais? Honnêtement, ouais. Au moins pour tester quelque chose de différent. En tout cas, attendez-vous à le revoir régulièrement dans mes vidéos.
J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à partager cette vidéo autour de vous. Peut-être que certains seront intéressés à découvrir un nouveau type de rabot. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain épisode de l'Instant des Copos. Salut! Oh, la 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 la